Bonjour, merci beaucoup de vous être déplacé pour ces deux annonces importantes de production du 3 juin. Le point de presse, aujourd'hui, fait écho à la rumeur qui circulait depuis quelque temps. Je suis donc très heureux de vous annoncer, au nom de notre équipe, que pour les 15 ans de l'entreprise cette année, nous lançons un festival international de courts-métrages et une web TV. Notre festival de courts-métrages se nomme FICMEN et notre web TV porte l'acronyme P3J.TV. Ce sont deux projets complémentaires et d'envergure, deux projets qui nous tiennent à cœur et c'est notre façon de célébrer nos 15 ans d'opération. Mais je crois que le plus simple serait de répondre à vos questions. Oui. Pourquoi créer un festival? Au cours des dernières années, nous avons eu un rayonnement international avec nos courts-métrages. Et dans le fond, c'est un peu notre façon d'offrir cette visibilité-là à d'autres réalisateurs. En fait, le concours va être complémentaire aux autres concours et festivals, puisque c'est avant tout, je vous dirais, une tribune pour faire découvrir des réalisateurs de talent du Québec et du monde entier. Est-ce que Production 3 juin cesse ses activités de production vidéo? Non, notre maison de production va poursuivre ses activités de vidéo corporatif et de court-métrage. Mais nous avons développé en plus une web TV et un festival qui sont dans le fond complémentaires à ce qu'on faisait déjà. Pouvez-vous nous parler plus longuement du festival? Écoutez, je ne suis pas autorisé à vous en dire beaucoup plus pour le moment. Ce que je pourrais vous dire par contre, c'est que la période d'inscription commencera dès la fin de l'été et que ce sera un concours et un événement sur 12 mois. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Est-ce que vous s'abonnez à P3J.TV? P3J.TV est une web télé gratuite, mais vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Et une nouvelle production va être mise en ligne à chaque mois. Je vais ajouter aussi qu'à chaque semaine sur P3J.TV, nous allons relayer une chronique du web magazine culturel Phénomène qui est produit pour le réseau Biblio de la Montérégie. Qu'est-ce que veut dire FICMEN? FICMEN est un acronyme qui signifie Festival international de courts-métrages d'auteurs et narratifs. Et j'ajoute que dans quelques semaines, nous allons créer une page FICMEN sur P3J.TV. À chaque mois pendant le festival, la bande-annonce du film qui va gagner mensuellement le concours va être diffusée sur P3J.TV. Le concours est d'ailleurs ouvert à l'ensemble des réalisateurs du Québec, bien sûr, et du monde entier. Quand la web TV sera lancée? P3J.TV est déjà en ligne depuis quelques semaines maintenant. Nous lançons aujourd'hui officiellement sa programmation, dont deux nouvelles séries qui sont entre autres la série Découverte et la série Comme vous et moi. D'ailleurs, nous tenons à remercier très chaleureusement le partenaire financier et le partenaire principal qui est derrière le projet, soit le CLD, le Haut-Saint-Laurent. On m'informe que ce sont les informations que je suis autorisé à vous divulguer pour le moment, mais je peux vous dire que nous vous reviendrons dans quelques semaines avec des communiqués de presse plus précis au fur et à mesure de l'avancement du festival et de la web TV. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous.